Bonjour à toutes et à tous, c'est Rixidir Rix Games et bienvenue sur cette nouvelle Pokéstrat. Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu des bonnes vacances aux États-Unis. J'ai pris carrément une semaine de pause de faire des vidéos et je suis désolé pour vous. Mais ça recommence maintenant, une vidéo par jour pour vous tous parce que je vous aime beaucoup. Et ouais, je me suis juste super beaucoup amusé aux États-Unis, c'était génial. Et on va faire aujourd'hui l'ultime build de Crustabri, c'est parti. Alors Crustabri est un très bon Pokémon parce qu'il peut faire beaucoup de dégâts et est toujours l'un des premiers à attaquer dans votre team. Donc quand on regarde ses stats, vous vous direz peut-être ah ça peut être un tank. Bah non, on va augmenter son attaque, sa vitesse et vous verrez bientôt pourquoi. Donc on va mettre 252 en attaque, 252 en vitesse et puis le reste en PV. Voilà, le talent ce sera multi-coup, vous verrez pourquoi. Et on va le donner rigide. Rigide, j'aime bien. J'aime toujours rigide. Où es-tu, petit là. Et l'objet, ce sera la ceinture force. Oui, on y vient. Alors, ceinture force, comme ça, il pourra résister le premier coup. Pourquoi est-ce qu'il doit pouvoir résister au moins un coup d'attaque? Parce que, déjà, ses stats défensifs sont énormes. Donc, les attaques physiques, peut-être qu'il les résistera. Mais bref, le but, c'est de résister le premier coup. Et parce que on va lui apprendre une attaque incroyable qui s'appelle Where are you? Une attaque type normale. Tout ça pour vous dire Exuviation. Oui, Exuviation, pardon. Exuviation est une attaque géniale parce que ça va baisser votre défense de 1, votre défense spéciale de 1 et augmenter votre attaque de 2, votre vitesse de 2 et votre attaque spéciale de 2. L'attaque spéciale, on s'en fout qu'il augmente, mais le but, c'est que ça augmente votre vitesse de 2 et votre attaque de 2. Ce qui veut dire que, grâce à ça, avec le build que vous avez mis en speed, il va pouvoir outspeed quasiment tous les Pokémon après seulement un seul Exuviation. Si l'adversaire en face de vous est nul et ne connaît pas Crustabri, vous pourrez peut-être même faire deux Exuviations, ce qui serait incroyable. Et là, vous serez sûr de pouvoir tuer tout le monde. Grâce à son talent multi-coup. Multi-coup fait en sorte que chacun de vos attaques qui font plusieurs coups vont faire toujours le maximum nombre. Donc par exemple, l'attaque glace ici qui s'appelle pas avec la glace mais stalactite va faire un total de 125 dégâts en tout et il va attaquer donc parce qu'il va faire les 5 coups au total. Donc c'est extrêmement puissant comme attaque. Et vous êtes sûr de pouvoir détruire un bon nombre d'adversaires avec ça. Le truc incroyable avec Crustabri, c'est qu'il peut même apprendre l'attaque de type roche Bull Rock. Donc faire exactement la même chose avec une attaque de type roche et faire les 5 coups. Bon, c'est 90% de précision, donc c'est possible qu'il en rate quelques-uns. Faut vous espérer que ça ne vous arrive pas trop. Et enfin, on va donner les prochaines attaques, ce qui est éclat glace juste ici pour avoir l'attaque de priorité. Et bien sûr, l'exuviation qui est totalement nécessaire. Voilà, j'ai pris l'exuviation. J'ai pris le... Ah, mais j'ai tout pris. Qu'est-ce que je suis con. J'ai pris toutes les capacités. Donc, exuviation, stalactite, bull rock et éclat glace. Donc, vous avez un Pokémon qui va pouvoir utiliser au moins une fois exuviation, outspeed le Pokémon et le détruire juste après avec soit bull rock, soit stalactite. Si il y a un problème, si vous pensez que le Pokémon peut vous outspeed avant de mourir, vous pouvez toujours envoyer un éclat glace. Comme ça, vous êtes sûr de au moins faire des dégâts avant de mourir. Par exemple, avec un toxique ou bien avec n'importe quelle autre attaque, c'est toujours bien d'avoir éclat glace sur ce Pokémon pour pouvoir avoir cette priorité qui est toujours géniale à avoir pour les Pokémon comme Dratak, Dracolos, etc. Donc j'espère que vous avez apprécié cette Pokéstrat et vous en aurez maintenant une par jour. Un Pokéstrat par jour et ça c'est super, super génial et j'ai hâte d'en continuer d'en faire pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ne n'hésitez pas de laisser un like, comment, subscribe, tous ces beaux machins. Et je vous dis à tous et à tous une excellente journée. Rixi out.